Bonjour à toutes et à tous. J'ai le regret de vous annoncer qu'une vie s'est éteinte cette nuit. Madame Nawal Marwan nous a quittés. Elle est décédée après 5 années de mutisme. Je suis profondément attristée par ce décès. On ne se rend pas compte. Perdre un patient, c'est toujours dur. Je pense qu'il est temps pour moi de changer de voie. Nos condoléances vont à sa famille et particulièrement à ses 2 enfants jumeaux. Je vous invite à éteindre les téléphones portables. Pas besoin de prendre des photos. Noir sur blanc s'en occupe. L'hommage va bientôt commencer. Ça sûr. Je préfère regarder le vol des oiseaux. Maintenant, faut pas s'inquiéter de la grande terre. Ici, des fois d'oiseaux, la vie, c'est les voitures et les centres d'achat. Avant, mon bureau devenait sur l'autoroute. C'était pour la mer à voir, mais j'avais fini pour accrocher une pancarte à ma fenêtre. Hermine Lebel, notaire. À la 2 pointe, ça faisait une méchante publicité. Non, je suis de ce côté du bâtiment et mon bureau donne sur le centre d'achat. Un centre d'achat, c'est pas un oiseau. Avant, je disais un oiseau. C'est votre mère qui m'a dit qu'il fallait dire un oiseau. Je suis désolé. Je parle pas de votre mère à cause du malheur qui vient de frapper, mais... Faut bien falloir agir. Continue à vivre, comme on dit. C'est comme ça. Entrez. Restez pour le passage, enfin. C'est mon nouveau bureau. Les autres notaires sont tous partis. Je suis tout seul dans le bloc. Ouais, bon, c'est pas facile. Entrez, restez pour le passage, enfin. C'est un passage. Oui, bon, en même temps, je comprends. Je comprends qu'on ne veuille pas entrer. Bon, je n'entrerai pas. Oui, bon. C'est sûr. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Mais l'enfer est pourvu de bonnes circonstances. Alors c'est difficile de prévoir. Je veux dire pour là que c'était compliqué de prévoir. J'aurais pas pu. J'aimais votre mère. Je vous le dis comme ça, de long en large. J'aimais votre mère. Elle m'a souvent parlé de vous. En fait, non, pas souvent, mais elle m'a déjà parlé de vous. Des fois, comme ça, un peu. Elle disait les jumeaux. Elle disait la jumelle. Souvent aussi les jumeaux. Vous savez comment elle était? Elle disait jamais rien à personne. Je veux dire pour là que, même avant qu'elle se mette à plus rien dire du tout, elle me disait rien, puis... Elle me disait rien sur vous. Elle était comme ça. Quand elle est morte, il pleuvait. Je suppose, ça me fait beaucoup de peine qu'il pleuve aujourd'hui. Puis dans son pays, il pleut jamais alors. T'as testament, dis-moi, tu dis pas le mauvais temps que ça représente. C'est pas comme un oiseau à testament. C'est sûr, c'est autre chose. Mais. Faut rester à mal nécessaire. Excusez-moi. Thank you.
testament de Madame Nawal Marouin. Les témoins qui ont assisté à l'écriture du testament lors de son enregistrement sont M. Trinh Chau Feng, propriétaire du restaurant Les Burgers du Vietnam, et Mme Suzanne Lamontagne, serveuse au restaurant Les Burgers du Vietnam. Les témoins qui sont présents lors de l'ouverture du testament sont ses deux enfants, Jacques Marouin et Simon Marouin, tous deux âgés de 22 ans et nés tous deux le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François à Ville-Évrard, c'est pas loin d'ici. Testament. À mon ami, le notaire Hermine Lebel, je lègue mon stylo plume noir. À Jeanne Marouane, je lègue la veste en toile verte. Et en Simon Marouane, je lègue le collier rouge. Entièrement. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami, amenez les jumeaux, enterrez-moi toutes nues, enterrez-moi sans cercueil. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi chacun un seau d'eau fraîche, puis vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leur promesse, et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence, et le silence fut gardé. En Jeanne et Simon, Simon et Jeanne, l'enfant, c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi, elle est destinée à ton père. La tienne à celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton frère, le tien et celui de John. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé, et une pierre pourra être alors posée sur ma tombe, et mon nom sur la pierre, gravé au soleil. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. Cette salope, cette vieille conne, cette vieille pute, cette sale conne, cette enculée de sa race! Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout! Depuis si longtemps, on se disait, elle va crever la salope, elle arrêtera de nous emmerder! Et la bingo, elle finit par crever! Mais surprise, c'est pas fini! On l'aura pas vu venir celle-là! Bien sûr qu'on va l'enterrer face contre terre, bien sûr qu'on va lui cracher dessus! En tout cas, moi je vais cracher! Elle est morte! Elle est morte! Et puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pourrait faire pour nous emmerder encore plus! Alors elle s'est assise! Elle a réfléchi! Écrire son testament! Son putain de testament! Elle l'a rédigé à 5 ans. Mais j'en ai rien à foutre! De quoi elle l'a rédigé! Écoutez. Elle est morte. Votre mère est morte. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qu'on connaît pas très bien, certes, mais quand on m'avait dit quelqu'un. Quelqu'un qui a été jeune, qui a été adulte, qui a été vieux, puis qui est mort. Donc ça veut bien dire quelque chose quelque part, ça c'est pas rien. Je vais pas pleurer. Je vous jure que je vais pas pleurer. Je ne dois rien à cette femme-là. Pas une larme. On dira bien ce qu'on veut. Que j'ai pas pleuré à la mort de ma mère. Je leur dirais que c'était rien pour moi, cette femme-là. C'était rien. Est-ce qu'elle a pleuré pour moi? Pour Jeanne? Jamais! Jamais! C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur, c'est une brique. Une brique, putain, une brique! On pleure pas pour une brique. Je veux plus rien savoir. Je veux plus en entendre parler. Alors pourtant, il met un souhait à votre égard. Vos prénoms sont là, dans ses dernières volontés. Super! On est ses enfants, et vous en savez plus sur elle que nous. Super que nos prénoms soient là, super! Les enveloppes, le cahier, la chambre... J'en veux pas de son enveloppe, j'en veux pas de son putain de cahier! Ah ça, si elle prend mes mouvoirs avec un cahier,
C'est la meilleure, celle-là. Ses dernières volontés. Retrouve ton père et ton frère. Pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas retrouvés plus tôt si c'était si important que ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle s'est pas occupée un peu de nous, la conne? Si elle avait absolument besoin d'un autre enfant autre part? Pourquoi est-ce que dans tout son putain de testament, elle ne dit pas une seule fois le mot fils, le mot fille? Pourquoi? Écoutez, écoutez, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends, tête de blanc? Je comprends que pour avoir écouté tout ce qu'on vient d'écouter, on puisse se retrouver les tâches en l'air en se demandant qui on est, ce qui se passe et pourquoi pas nous. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on apprend que notre père, que l'on croyait mort et vivant, est vraiment un frère quelque part dans le monde. De toute façon, ça m'intéresse pas de discuter avec vous. Il faut lui faire confiance. Ça m'intéresse pas. Elle avait ses raisons. Je veux plus bien entendre parler. J'ai un combat de boxe dans 10 jours. Alors on va faire ça vite. On va aller au salon funéraire. On va lui acheter un cercueil. On va mettre le corps dans le cercueil. Le cercueil dans le trou. La tête de la terre dans le trou. Une pierre sur la terre et un nom sur la terre. Et tout le monde se casse. C'est impossible. Ce ne sont pour là les dernières volontés de votre frère. Je ne permettrai pas qu'on ait à la compte de ces volontés. Et t'es qui pour aller à l'encontre? Je suis malheureusement son exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas la même opinion que vous sur cette forme. Mais comment vous pouvez la prendre au sérieux? Je veux dire, pendant 10 ans, 10 ans, elle passe ses journées au tribunal de justice à assister à des procès de tordus, de vicieux, de criminels à longueur de journée. Et un jour, elle se tait, ne dit plus un mot, pendant des années. Je veux dire 5 ans, sans rien dire, c'est long. Elle pète un câble, un plomb, elle s'invente un mari encore en vie, mort depuis longtemps, et un fils imaginaire. Parfaite affabulation de l'enfant qu'elle aurait voulu avoir. De l'enfant qu'elle aurait été capable d'aimer, cette salope. Et là, elle veut que moi j'aille le chercher. Si après ça, vous pouvez encore me parler de dernière volonté. D'accord. Si après ça, vous pouvez encore me convaincre qu'il s'agit là des dernières volontés de quelqu'un qui a encore toute sa tête. C'est sûr. Mais avouez que vous aussi, vous arrangez les choses à votre contenance. Et puis l'autre jour, plutôt l'autre nuit, on vous a appelé, elle a parlé. Vous pouvez pas me dire que c'était une coïncidence, un effet du hasard. L'infirmière l'a entendu, elle a appelé. Elle peut le confirmer, c'était là, à 4h du matin, 4h du matin précise. Je veux dire, c'est pas des blagues, là. Le jour et l'heure de votre anniversaire, elle se remet à parler. Et elle dit quoi? Maintenant que nous sommes ensemble, ça va bien. Hey, maintenant que nous sommes ensemble, ça va bien, c'est pas une phrase commune, ça. Elle a pas dit, tiens, je vous préviens, que bon, vous serez de tomate oignon ou pas de poisson. Non. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va bien. L'infirmière l'a entendu. Pourquoi elle l'aurait inventé? Elle aurait pas pu inventer quelque chose de si vrai. Vous savez, je le sais, on le sait tous. Et une phrase comme ça, c'est simple comme 2 couteaux. Maintenant, c'est sûr, vous avez la possibilité de ne pas répondre à la volonté de votre mère, mais vous ne pouvez pas en exiger la même chose des autres, de votre sœur, de moi. Même les condamnés à mort vont donner la volonté. Pourquoi pas votre mère? Vous ne voulez pas entendre parler des enveloppes? Je vais les garder. Peut-être que ça changera. Au CC-10 ans. Rome ne s'est pas construite à plein jour. Vous pouvez m'appeler n'importe quand.
Je ne peux pas dire aujourd'hui combien d'entre vous passeront à travers les épreuves qui vous attendent. Les mathématiques, telles que vous les avez connues jusqu'à présent, ont eu pour but d'arriver à une réponse stricte et définitive, en partant de problèmes stricts et définitifs. Les mathématiques dans lesquelles vous vous engagez en suivant ce cours d'introduction à la théorie des graphes sont d'une toute autre nature. Puisqu'il sera question de problèmes insolubles qui vous mèneront toujours vers d'autres problèmes tout aussi insolubles. Les gens de votre entourage vous répéteront que ce sur quoi vous vous acharnez est inutile. Votre manière de parler changera. Et plus profondément encore, votre manière de vous taire et de penser. C'est cela précisément que l'on vous pardonnera le moins. Bienvenue en mathématiques pures, c'est-à-dire au pays de la solitude. Introduction à la théorie des graphes. Tu sais pourquoi tu as perdu ton avant-dernier combat, Simon ? Et tu sais pourquoi tu as perdu ton dernier combat ? J'étais pas en forme, c'est tout. C'est pas comme ça que tu arrives à te qualifier. Mets tes gants ! Prenons un polygone simple à 5 côtés, nommé A, B, C, D et E. Nommons ce polygone le polygone K. Imaginons à présent que ce polygone représente le plan d'une maison où vit une famille. Et qu'à chaque coin de cette maison est posté un des membres de cette famille. Posons alors la question de savoir qui, du point de vue qu'il occupe, voit qui. Tu ne regardes pas ? Tu ne regardes pas, t'es aveugle ! Tu ne vois pas le jeu de jambes de ton adversaire ? Tu ne vois pas sa garde ? On appelle ça un problème de vision périphérique ! Ok ! C'est bon. On appelle cette application... l'application théorique de la famille vivant dans le polygone K. Réchauffe-toi. Maintenant, retirons les murs et traçons des arcs de cercle uniquement entre les membres qui se voient. Le dessin auquel nous arrivons est appelé graphe de visibilité du polygone K. Il y a trois choses à observer. Il existe donc trois paramètres avec lesquels nous jonglerons au cours des trois prochaines années. Les applications théoriques des polygones. C'est toi le plus fort. Les graphes de visibilité des polygones. Aucune pitié pour le type en face de toi. Et enfin, les polygones et leur nature. Si tu gagnes, tu deviens professionnel. Posons la question suivante. Pour tout graphe de visibilité, pour tout polygone, je peux facilement, comme nous l'avons démontré, tirer le graphe de visibilité et son application théorique. Maintenant, comment puis-je, en partant d'une application théorique, celle-ci par exemple, tirer le graphe de visibilité et le polygone concordant ? Quelle est la forme de la maison où vivent les membres de cette famille représentés par cette application ? Essayez de dessiner le polygone. T'es pas concentré. Mais ma mère est morte ! Mais justement, bordel ! La meilleure façon de t'en sortir, c'est de gagner ton prochain combat. Alors lève-toi et frappe ! Tu n'y arriveras pas sinon ! Vous n'y arriverez pas. Toute la théorie des graphes repose essentiellement sur ce problème, pour l'instant impossible à résoudre. Or, c'est cette impossibilité qui est belle. C'est sûr. Il y a des fois dans la vie, il faut agir, plonger. Ah, oh, attends. C'est quand le temps que vous serez revenu? C'est quand le temps pour votre mail? Vous avez l'enveloppe? Bien sûr, l'envoie aussi. Cette enveloppe n'est pas pour vous, mais pour votre père.
Le vôtre est celui de votre aide. Votre mère souhaitait que vous la retrouviez et que vous l'alliez remettre. Elle vous remettait aussi cette veste en toile verte avec le numéro 72 à l'endroit. Vous pensez que votre père est vivant? En mathématiques, 1 plus 1 ne font pas 1,9 ou 2,2. Ils font 2. Que vous y croyez ou pas, ils font 2. Que vous soyez de bonne humeur ou très malheureux, 1 et 1 font 2. Nous appartenons tous à un polygone. Je croyais connaître ma place au sein du polygone auquel j'appartiens. Je croyais être ce point qui ne voit que son frère Simon et que sa mère Nawal. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est possible que du point de vue que j'occupe, je puisse voir mon père. J'apprends aussi qu'il existe un autre membre à ce polygone, un autre frère. Le graphe de visibilité que j'ai toujours tracé est nul et faux. Quelle est ma place dans le polygone? Pour trouver, il faut résoudre une conjecture. Mon père est mort. Ça, c'est la conjecture. Tout porte à penser qu'elle est vraie, mais rien ne la prouve. Je n'ai pas vu son cadavre, pas vu sa tombe. Il se peut, donc, entre 1 et l'infini, que mon père soit vivant. Au revoir, monsieur Lebel. John! Nawal! Allô, Jean? Nawal? Oui, c'est Maître Lebel. Wahab! Oui, il y a une chose dans laquelle je viens de foncer, j'ai oublié de vous dire. Nawal! Votre mère a connu votre père quand elle était très jeune. Je vous le dis, je sais pas si vous le saviez. Nawal! Wahab! Nawal! Elham se trompe peut-être. Elham ne se trompe pas. Quand je lui ai demandé, Elham, tu es sûre? Elle a rigolé. Elle m'a caressé le visage. Elle m'a dit qu'elle a fait naître tous les enfants du village depuis 40 ans. Elham ne se trompe pas. Elle m'a promis qu'elle ne dirait rien. Ce ne sont pas mes affaires, elle a dit. Mais dans 2 semaines au plus tard, tu ne pourras plus le cacher. On ne le cachera pas. Tu n'as pas peur ?
c'est la colère. Je ne sais pas si c'est le bonheur. Où serons-nous, toi et moi, dans 50 ans? Écoute-moi, Noël. Cette nuit est un cadeau. Je n'ai peut-être pas de tête pour dire ça, mais j'ai un cœur. Et il est solide. Il est patient. Ils crieront, nous les laisserons crier. Ils injurieront, nous les laisserons injurier. Peu importe. Après leur cri et leurs injures, il restera toi, moi, et un enfant de toi et moi. Toi et moi réunis, ton visage et mon visage dans le même visage. J'ai envie de rire. Ils me frapperont, mais moi toujours, j'aurai un enfant au fond de la tête. Maintenant que nous sommes ensemble, rentre chez toi, Noël. Attends qu'il se réveille. Pense à moi comme je pense à toi. Et ne te perds pas dans le brouillard. N'oublie pas, maintenant que nous sommes ensemble, cet enfant ne te regarde pas, Noël. Il est ton enfant. Oublie ton ventre. Cet enfant ne te regarde pas. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ta mère. Ne regarde pas ta vie. Je pose ma main là, je vois déjà son visage. Ce que tu vois ne compte pas. Cet enfant ne te regarde pas. Il n'existe pas, il n'est pas là. Elham me l'a dit. Elham n'est pas ta mère. Elle me l'a dit. Peu importe ce qu'a pu te dire Elham. Cet enfant n'existe pas. Et quand il sera là? Il n'existera pas. Je ne comprends pas. C'est ses larmes. C'est toi qui pleures. Ce n'est pas moi qui pleure. C'est toute ta vie qui coule. Tu reviens de loin, Noël. Tu reviens avec ton ventre souillé et tu te tiens droite devant moi pour me dire, là, avec ton corps d'enfant, j'aime et j'ai mon amour entier dans mon ventre. Tu reviens de la forêt et tu dis que c'est moi qui pleure. Crois-moi, Noël, cet enfant n'existe pas. Tu vas l'oublier. Je ne l'oublierai pas. Tu l'oublieras. On n'oublie pas son enfant. On oublie. Non. Alors tu choisiras. Garde cet enfant. Et à l'instant, quitte les vêtements que tu portes et qui ne t'appartiennent pas. Quitte ta maison, quitte ta famille, ton village, ton ciel et tes étoiles. Quitte-moi. Maman. Quitte-moi nu avec ton ventre et la vie qu'il renferme. Ou bien reste et agenouille-toi, Nicole. Agenouille-toi. Maman. Quitte tes vêtements, agenouille-toi. Tu resteras à l'intérieur de la maison, comme cette fille est à l'intérieur de toi. Elham viendra sortir cet enfant de ton ventre. Elle le prendra et le donnera à qui elle voudra. Ne pas m'agenouiller. Ne pas m'agenouiller. Donnez mes habits. Donnez tout. Quittez la maison. Quittez le village. Tout. Tout ceci nous vient de la misère, Nawal. Pas de beauté autour de nous. Que la colère d'une vie dure et blessante. Personne pour parler doucement aux choses. Tu as raison, Nawal.
L'amour que tu avais à vivre, tu l'as vécu. L'enfant que tu devais avoir te sera enlevé. Il ne te reste rien. Lutter contre la misère, peut-être. Ou bien tomber dedans, Nawal. Nawal ! Waouh ! Nawal, écoute-moi. Je n'ai pas beaucoup de temps. À l'aube, on m'emmène loin d'ici. Et loin de toi. Je reviens du rocher aux arbres blancs. J'ai dit adieu au lieu de mon enfance. Et mon enfance est pleine de toi, Nawal. Nawal, ce soir, l'enfance est un couteau qu'on vient de me planter dans la gorge. À jamais, j'aurai dans la bouche le goût de ton propre sang. Je voulais te dire que cette nuit, mon cœur est plein d'amour. Il va exploser. Partout, on me dit que je t'aime trop. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, Émétrie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, être loin de toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quand tu n'es plus là. Je devrais réapprendre à vivre sans toi. Je comprends maintenant ce que tu as voulu dire. Lorsque tu m'as demandé, où serons-nous dans 50 ans? Je ne sais pas. Mais partout où je serai, tu seras. Nous rêvions de regarder l'océan ensemble. Eh bien, Nawal, je te le dis. Je te le dis, le jour où je le verrai, le mot océan explosera dans ta tête. Et tu éclateras alors en sanglots, car tu sauras que je pense à toi. Peu importe où je serai, nous serons ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. Je t'entends. Ouais. Ne sèche pas tes larmes, car je ne sécherai pas les miennes de toute la nuit. Et lorsque tu mettras cet enfant au monde, dis-lui mon amour pour lui, mon amour pour toi. Dis-lui. Je lui dirai. Je te jure que je lui dirai. Pour toi et moi, je lui dirai. Je lui soufflerai à l'oreille. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je retournerai moi aussi au rocher aux arbres blancs. Je dirai moi aussi au revoir à l'enfance. Et l'enfant sera un couteau que je me planterai dans la gorge. Non ! Non ! Laissez-moi ! Non ! Nawal ! Non ! Non, laissez-moi ! Nawal ! Majida.
Je me sens vieille comme si j'avais 1000 ans. Aussi les jours qui passent, et les mois qui partent. Le soleil se lève et se couche, les saisons qui passent. Nawal qui ne dit plus rien, qui se tait et qui erre. Son ventre est parti. Et moi, je sens l'appel de la vieille terre. Trop de douleur depuis si longtemps m'accompagne. Donnez-moi le lit. Avec la fin de l'hiver, j'entends le pas de la mort dans le courant des ruisseaux. Grand-mère, il y a des choses que l'on a envie de dire au moment de la mort. Des choses que l'on aimerait dire aux gens que l'on a aimés, qui nous ont aimés. Leur dire, pour les aider une dernière fois, une dernière fois leur dire des choses, les armer pour le bonheur. Il y a un an, ton enfant est parti, et depuis, tu marches la tête dans les nuages, Nawal. Ne tombe pas, ne dis pas oui, dis non, refuse. Ton ventre est parti, ton enfant est parti, il a eu un an. Il y a quelques jours, fille. N'accepte jamais. Mais pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors, arme-toi de courage et travaille bien. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir va te dire. Apprends à lire. Apprends à écrire. Apprends à parler. Apprends à compter. C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Apprends. Promets-le-moi. Ils m'enterreront dans 2 jours. Ils me mettront en terre, le visage tourné vers le ciel. Sur mon corps, ils jetteront chacun un seau d'eau. Mais ils ne marqueront rien sur la pierre, car aucun d'entre eux ne sait écrire. Toi, Nawal, quand tu sauras, reviens et grave mon nom sur la pierre. Nazela. Grave mon nom, car j'ai tenu mes promesses. Nous, notre famille, les femmes de notre famille, sommes engluées dans la colère depuis si longtemps. J'étais en colère contre ma mère, et ta mère en colère contre moi, tout comme tu es en colère contre ta mère. Toi aussi, tu laisseras à ta fille la colère en elle. Il faut casser le fil. Alors apprends. Puis va-t'en. Quitte le village. Prends ta jeunesse et tout le bonheur possible et arrache-toi d'ici quand on s'arrache entre nos amis. Apprends, Seigneur, à écrire, à parler, à compter. Come on.
Allô, oui, Hermine Lebel, l'hôtel. Ben oui, je vous appelle, ça fait des heures que j'essaie de vous appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'était moi, y'a rien. J'étais supposé avoir trois soldats devant la fosse, puis y'a rien. Ah oui, c'est moi qui appelle pour les soldats. Quoi, ça, c'est quoi le problème? Ils n'ont pas de problème. Il y en a un gros problème. Je vous ai dit qu'il supposait avoir trois soldats, puis on n'a pas. Ben, on est au cimetière, voulez-vous qu'on soit à Tarpinouche? Vous êtes bougé ou quoi? On est là pour l'enterrement de madame Nawal Marwan. Trois soldats. Bien sûr, je suis sûr que c'était juste ça. Attendu. Je suis même venu moi-même. J'ai averti tout le monde. Avant l'enterrement particulier, on a juste besoin de trois soldats. Ça semblait bien compliqué. J'ai même dit au responsable du cimetière, voulez-vous qu'on nous apporte nos soldats et nous autres nous-mêmes? Il m'a dit, bon, bon, c'est bon, vous êtes déjà bien trop éprouvés comme ça, on va vous les apporter. C'était bon, et puis là, on est là dans le cimetière, et il n'y a pas de soldats, et on commence à être de plus en plus éprouvés. Je veux dire, c'est un enterrement, pas une partie de bowling, tu sais. Puis je veux dire, on n'est pas très compliqué. Pas de cercueil, pas de pierre, rien. Le strict minimum. Ça, vraiment fait ça, ça. Ça fait juste demander trois balais à son dos et l'administration du cimetière n'est pas apte à relever le défi. Ah, mais vous n'êtes pas habitué à recevoir des demandes de son dos. Mais on ne va pas être habitué, on va demander trois son dos. On ne va pas d'inventer le moteur à quatre trous. Ben oui, trois. Non, pas un, trois. Bon, ça fait que ça se peut pas, il en faut trois. Non, on peut pas prendre un et le remplir trois fois, mais trois remplis une seule fois. Ben oui, je suis sûr. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Faites-là votre recherche. Il faut faire une recherche. Pourquoi vous faites tout ça? Oh, tout ça. Tout ça, l'enterrement, les dernières volontés. Pourquoi vous faites tout ça? Cette femme qui est un fond du trou, en face qu'à cet être, que toute ma vie j'ai appelé Madame Nawal Marwan, est mon amie. Mon amie. Je sais pas si ça descend pour vous, mais je savais pas que ça ne valait ça pour moi. Allô, oui, Hermine Lebel, notaire. Oui, alors bon, qu'est-ce qui arrive? Les sodos étaient préparés et placés devant une autre fosse! Ben, il y a une erreur! Nawal Marwan! Votre efficacité est redoutable! Mademoiselle Coralie Ducharme, Jeanne Marwan. Je suis la fille de Nawal Marwan. Je suis passée à l'hôpital, mais on m'a dit que vous n'êtes plus infirmière depuis la mort de ma mère. Que vous travaillez à présent dans ce théâtre. Alors je suis venue. Je voulais savoir si elle n'avait rien dit d'autre. La voix de votre mère résonne encore à mes oreilles. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Ce sont les mêmes mots qu'elle a prononcés. Je vous ai appelé aussitôt. Je sais. Pendant 5 ans, ce fut toujours le même silence. Je suis désolée. Je vous remercie tout de même. Que cherchez-vous? Vous
nous a toujours dit que notre père était mort pendant la guerre dans son pays natal. Je veux une preuve de cette mort. Je suis contente que vous soyez venue, Jeanne, depuis qu'elle est morte. J'hésitais. Je voulais vous appeler, vous et votre frère, pour vous dire, vous expliquer. Mais j'hésitais. Aujourd'hui, vous êtes là, dans ce théâtre. C'est bien. Alors je vais vous dire. Au cours de toutes ces années passées à son chevet, je devenais étourdie à force d'entendre le silence de votre mère. Une nuit, je me suis réveillée avec une drôle d'idée. Peut-être qu'elle parle seule. Peut-être qu'elle parle quand je ne suis pas là. J'ai apporté un enregistreur à cassette. J'hésitais. Je n'avais pas le droit. Si elle parle seule, c'est son choix. Alors je me suis promise de ne jamais couper. Enregistrer sans jamais savoir enregistrer. Enregistrer quoi ? Du silence. Son silence. Le soir, avant de la quitter, je démarrais l'enregistrement. À côté d'une cassette faisait plus d'une heure. Je n'avais pas trouvé mieux. Le lendemain, je retournais la cassette. Et avant de la quitter, je partais à nouveau l'enregistrement. J'ai enregistré plus de 500 heures. Toutes mes cassettes sont là. Prenez-les. C'est tout ce que je peux faire. Coralie, qu'avez-vous fait avec elle pendant tout ce temps ? Rien. Je m'asseyais souvent à ses côtés. Je la regardais. Quelquefois aussi, je mettais de la musique. Je la faisais danser. Je m'en fous de ce balancier, de quoi faire que le ciel. Les ondes étranges sont venues danser, mais je sens des ternelles. Je m'en ai lu sur ta main, par des canaux à fond, et pour elle. On entend les cris de bouillard, et les matons sur la scène. Je t'ai dit,
Nun, Alif, Zain, Ra, Ya, Nazira. Ton nom est clair, Tatum. Je suis entrée dans le village en passant par la route du bas. Ma mère était là, au milieu du chemin. Elle m'attendait, je crois. Elle devait se douter. À cause de la date. L'un après l'autre, les villageois sont arrivés. J'ai dit, je suis revenue pour graver le nom de ma grand-mère Nazira sur sa tombe. Ils ont ri. Tu sais écrire maintenant? J'ai dit oui. Ils ont ri. Un homme m'a craché dessus. J'ai pris le livre que j'avais dans la poche. J'ai frappé si fort que la couverture s'est pliée et est tombée à son nez. J'ai continué. Ton nom est gravé maintenant. Je m'en vais. J'ai rempli ma promesse envers toi. Je remplirai ma promesse envers mon fils, tenu au jour de sa naissance. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Au revoir, grand-mère. Je t'ai vu! De loin, je t'ai observé quand tu as gravé le nom de ta grand-mère sur sa pierre. Puis tu t'es levé d'un coup et tu es parti en courant. Pourquoi? Et toi, pourquoi tu m'as suivi? Je voulais te voir écrire, voir si ça existait vraiment. Ici, la rumeur est partie très vite ce matin. Après 3 ans, tu revenais. Dans le camp, on disait, Nawel est revenue, elle sait écrire, elle sait lire. Tout le monde riait. J'ai couru pour t'attendre à l'entrée du village, mais tu étais déjà là. Je t'ai vu frapper l'homme avec le livre et j'ai vu le livre trembler au bout de tes mains. Et j'ai pensé à tous les mots, toutes les lettres chauffées à blanc par la colère qui habitait ton visage. Tu es partie, je t'ai suivie. Qu'est-ce que tu me voles? Apprends-moi à lire et à écrire. Je ne sais pas. Si, tu sais, ne mens pas, je t'ai vue. Je m'en vais, je quitte le village. Alors je ne peux pas t'apprendre. Je te suivrai, je sais où tu vas. Comment le saurais-tu? Je connaissais Waheb. On est du même village, on vit dans le même camp. C'est un réfugié du sud, comme moi. La nuit où on l'a enlevé, il hurlait ton nom. Tu veux retrouver Wahab? Ne te moque pas de moi, ce n'est pas lui que tu veux retrouver. C'est ton fils. Tu vois, je ne me trompe pas. Emmène-moi avec toi et apprends-moi à lire. En échange, je t'aiderai. Je sais voyager et à deux, on sera plus fortes. Deux femmes côte à côte. Emporte-moi. Si tu es faible, je te porterai. Si tu es triste, je chanterai. Ici, il n'y a rien. Je me lève le matin et on me dit, Saouda, voici le ciel. Mais on ne me dit rien sur le ciel. On me dit, voici le vent. Mais on ne me dit rien sur le vent. On m'indique le monde et le monde est muet. Et la vie passe et tout est opaque. J'ai vu les lettres que tu as gravées et j'ai pensé, voici un prénom. Comme si la pierre était devenue transparente. Un mot et tout s'éclaire. Et tes parents? Mes parents ne me disent rien. Ils ne me racontent rien. Je leur demande, pourquoi a-t-on quitté le sud? Ils me disent, oublie, il n'y a pas de pays, pas d'importance. On est en vie et on mange chaque jour. Voilà ce qui compte. Ils disent, ici la guerre ne nous rattrapera pas. Je leur dis, elle nous rattrapera. La terre est blessée par un loup rouge qui la dévore. Mes parents ne me racontent rien. Je leur dis, je me souviens, on a fui au milieu de la nuit. Des hommes nous ont chassés de notre maison et l'ont détruite. Ils me disent, oublie, Saouda, oublie. Je demande pourquoi mon père était à pleurer devant la maison brûlée. Qui l'a brûlée? Ils me disent, tout cela n'est pas vrai, tu as rêvé, Saouda, tu as rêvé. Alors je ne veux plus rester ici. Wahab criait ton nom, et c'était comme un miracle au milieu de la nuit. Moi, si on m'enlevait, aucun prénom ne viendrait à ma gorge. Aucun. Comment aimer ici? Pas d'amour. Pas d'amour.
Et puisqu'on me dit oublie, Sauda, oublie, alors j'oublierai. J'oublierai le village et le camp et le visage de ma mère et les yeux ravagés de mon père. On n'oublie pas, Sauda. On aimerait, mais on n'oublie pas. Je te jure. Viens quand même. Te cherche, tes collègues te cherchent, tes élèves te cherchent. On m'appelle, tout le monde m'appelle. Jeanne ne vient plus à l'université. On ne sait plus où est Jeanne. Je t'appelle, tu réponds pas. Qu'est-ce que tu veux, Simon? Pourquoi tu viens chez moi? Parce que tout le monde te croit morte. Je vais bien. Tu peux partir. Non, tu vas pas bien. Et non, je partirai pas. Pas. Tu vois pas? T'es en train de faire comme elle. Ce que je fais ne concerne que moi, Simon. Non, ça me concerne aussi. Et tu fais comme elle. Tu te tais. Je ne fais rien. Tu te tais. Elle rentre un jour. Elle s'enferme dans sa chambre. Elle reste assise. Un jour. Deux jours. Trois jours, ne mange pas, ne bois pas, disparaît, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vend les meubles. T'as plus de meubles. Son téléphone sonnait, elle ne répondait pas. Ton téléphone sonne, tu réponds pas. Elle s'enfermait, tu t'enfermes, tu te tais. Viens t'asseoir à côté de moi, Simon. Écoute. Écoute un peu. On l'entend respirer. Tu écoutes du silence. C'est son silence. Allez. Ba, ta, ta, ji, ha. T'es en train de devenir folle, Jeanne. Qu'est-ce que tu sais de moi, d'elle? Rien! Tu ne sais rien! Comment on fait pour vivre maintenant? Comment on fait? Tu jettes tes cassettes, tu retournes à l'université, tu donnes des cours et tu termines ton doctorat. Mais je m'en fous de ton doctorat. Mais tu t'en fous de tout. Ça sert à rien d'expliquer, tu comprendrais pas. On est en fond de même ça, tu comprends pas. Ah, c'est vrai qu'il faut t'expliquer en chiffres, toi. Ton prof de maths te dirait que t'es en train de devenir folle, tu l'écouterais. Mais ton frère, non. Il est trop con. Je t'ai dit que je m'en foutais de mon doctorat. Il y a quelque chose dans le silence de ma mère que je veux comprendre. Que moi, je veux comprendre. Et moi, je te dis qu'il n'y a rien à comprendre. Tu me fais chier. Toi, tu me fais chier. Va-t'en, Simon. Laisse-moi. On se doit rien, toi et moi. Je suis ta sœur, pas ta mère. C'est pareil. Non, pas pareil. Si, pareil. Laisse-moi. Jeanne, on a rendez-vous dans 3 jours pour signer les papiers avec le notaire. Tu viendras. Réponds-moi, Jeanne, tu viendras. Oui. Va-t'en maintenant. Nobateya, c'est le premier village du sud.
Ici, il y a un premier orphelinat. Allons voir. Prêtez-moi la photo. Je la ferai agrandir. Je la regarderai pour vous. J'ai l'habitude de faire attention aux petits détails. Il faut commencer par là. Votre mère me manque. Je la revois, assise, silencieuse, par son regard fou, par son regard perdu, lucide et tranchant. Qu'est-ce que tu regardes, maman? Qu'est-ce que tu regardes? De l'autre côté de la frontière. Ils ont dit, on nous a chassés de nos terres, laissez-nous vivre à vos côtés. Des gens d'ici ont dit oui, des gens d'ici ont dit non, des gens d'ici ont fui, des millions de destins. Et on ne sait plus qui tire sur qui, ni pourquoi. Et les enfants qui étaient ici, où sont-ils? Tout s'est passé très vite. Les réfugiés sont arrivés, ils ont pris tout le monde, même les nouveau-nés. Ils étaient en colère. Pourquoi? Pour se venger. Il y a 2 jours, les miliciens ont pendu 3 réfugiés qui s'étaient aventurés hors des camps. Pourquoi les miliciens ont-ils pendu 3 réfugiés? Parce que 2 réfugiés du camp avaient violé et tué une fille du village de Farsamir. Pourquoi ont-ils violé
Parce que les miliciens avaient lapidé une famille de réfugiés. Pourquoi ont-ils lapidé cette famille? Parce que les réfugiés avaient brûlé une maison près de la colline du Temple. Pourquoi ont-ils brûlé la maison? Pour se venger des miliciens qui avaient détruit un puits d'eau foré par eux. Pourquoi ont-ils détruit le puits? Parce que les réfugiés avaient brûlé une récolte. Pourquoi ont-ils brûlé la récolte? Il y a certainement une raison. Ma mémoire s'arrête là. Je ne peux pas monter plus haut. Mais l'histoire peut se poursuivre encore longtemps. De fil en aiguille, de peine en tristesse, de colère. Ils sont partis où? Ils sont partis où? Dans les camps, au sud. Maintenant, tout le monde a peur. On attend les représailles. Je veux retrouver un enfant. Vous ne le retrouverez plus. Je le trouverai. Un enfant de 4 ans, venu ici quelques jours après sa naissance. C'est la vieille reine. Il a sorti de mon ventre. Il l'a emporté. Et vous, pourquoi l'avez-vous donné? On me l'a pris. Je ne l'ai pas donné. On me l'a pris. Est-ce qu'elle était ici? Elle m'a apporté beaucoup d'enfants aussi. Oui, mais elle n'en a pas apporté beaucoup vers le printemps d'il y a 4 ans. Un nouveau-né, un garçon, venu du nord. Vous avez un registre? Plus de registre. Une femme, une cantinière, une femme de ménage, quelqu'un qui se souvient d'avoir pris l'enfant. Des bras, écoutez, des mains, de l'avoir trouvé bon. Je suis médecin, pas administratrice. Je fais le tour de tous les orphelinats, je ne peux pas tout savoir. Allez voir dans les camps, au sud. Et les enfants, où dorment-ils? Dans cette salle. Regarde, maman. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va quoi mieux. Quoi? Noël! Noël! Qu'est-ce que vous avez dit, Noël? Si je pouvais reculer le temps, il serait dans mes bras. Mademoiselle Jeanne Marois? Où vas-tu? Pour aller du charme, infirmière de votre mère. Au sud. Votre mère a parlé. Attends. Elle a parlé. On est au pays de votre mère. C'est l'été. On le voit fleurir derrière elle. Ce sont des herbes sauvages qui poussent en juin à juillet. Les arbres sont des pins parasols. Il y en a partout dans la région. Sur l'autobus, dans le fond, brûlé là, il y a des inscriptions. J'ai demandé à l'épicier du coin de la rue et il a dit « Réfugié de Parayat ». Un des plus longs chapitres de l'historique du procès concerne justement une prison construite pendant la guerre, à Parayat. Maintenant, regardez. Vous voyez au-dessus de sa main? Qu'est-ce que c'est? La crosse par pistolet. Son ami, aussi là, on lui devine sous sa chemise. Qu'est-ce qu'elle faisait avec un pistolet? La photo ne le dit pas. Peut-être qu'elle travaillait en tant que gardienne de prison. La prison date de quand? 1978, d'après le procès verbal. Bon, on sait que votre mère était dans un village nommé Parayat vers la fin des années 70 où une prison a été construite. Elle avait une amie dont on ignorait le nom
et toutes les deux portent un pistolet. Ça va, John? Non, ça ne va pas. De quoi avez-vous peur, John? De trouver. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Acheter un billet d'avion. Je pars avec toi. Non, je ne te laisserai pas. Tu es sûre qu'il y a un autobus sur cette route? Il passe sur ce chemin. La poussière que tu vois là-bas, c'est sûrement lui. Ben ouais, la médecin a dit qu'il valait mieux attendre. Elle a dit qu'il y aurait sûrement des représailles à cause des enfants enlevés. Alors il faut que j'y sois. Un jour de plus ou de moins, Noël. Un jour de plus où je l'aurai dans mes bras, Saouda. Saouda, à chaque instant, je pense à lui. Et chaque instant est comme une promesse de mon amour pour lui. Aujourd'hui, il a eu 4 ans. Il sait marcher, il sait parler. Il doit avoir peur dans le noir. Tu meurs, à quoi ça servira? Si je meurs, c'est qu'il était déjà mort. Mais ouais, il n'y va pas aujourd'hui. Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu m'avais promis de m'attendre. Je ne t'ai rien promis. Nos chemins s'arrêtent là, soldat. C'est sûr. C'est pas tous les jours dimanche. Mais ton store se fait du bien. J'arrive au bureau pour prêter l'or, j'ai tout de suite su que t'as vendu tout roche. Elle me dit, monsieur le vous pouvez pas rentrer, on fait vos prochains neufs, on enlève la moquette. Je dis, vous avez pu me prévenir, j'ai eu le travail, j'attends des clients. Elle me dit, de toute façon, soit aujourd'hui demain, vous êtes toujours occupé, vous aurez rouspété. Mais je rouspète pas, je le dis. J'aurais voulu que ça crête au courant. Et là, regarde, elle me dit à moi, parce que vous êtes pas organisé. Hey, pas organisé, moi, c'est vous qui êtes pas organisé, là. Vous arrivez comme des chevaux sur la soupe pour me dire, on fait au plancher. En tout cas, qu'elle me dit. Alors, moi aussi, je le dis en tout cas. Puis, je suis venu. Une chance que j'ai réussi à vous joindre. Sortez, restez pas dans la maison, enfin, si l'on connaît que, là. Venez dans le jardin. Avec cette chaleur, la pousse d'une vite. Il faut la chauffer. À cause des travaux, ils ont mis un arrêt de bus juste de l'autre côté de la clôture de mon jardin. Maintenant, tous les autobus qui passent s'arrêtent. Et dès qu'un autobus s'arrête, je pense à votre mère. J'ai commandé une tarte à la tomate pour Bon, ok, est-ce qu'on peut faire ça vite? J'ai un combat, je suis déjà en retard. Bonne idée! En attendant que la tarte à la tomate arrive, on pourrait régler les papiers ensemble. Pourquoi vous pensez à notre mère à chaque fois qu'un autobus s'arrête? À cause de sa phobie des autobus. Tous les papiers sont là et pas peur. Vous ne saviez pas? Non. Elle n'est jamais montée dans un autobus. Quand elle était jeune, elle a vu un autobus de civils se faire mitrailler devant elle. L'affaire est effroyable. Comment vous savez ça? Ben parce qu'elle me l'a dit. Mais pourquoi elle vous a dit ça à vous? Ben je sais pas moi, parce que je vais demander. Les pompiers règlent ce qui concerne la succession de votre mère. Sauf en ce qui touche ses dernières volontés. Du moins pas vous, c'est bon. Pourquoi moi? Parce que vous n'avez toujours pas pris l'enveloppe destinée à votre frère. Bah oui, j'ai pris l'enveloppe. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas à quoi tu joues. À rien. Pourquoi tu m'as rien dit? Ça me demande déjà assez de courage comme ça, Simon. Tu vas faire quoi, Jeanne? Tu vas courir partout en criant « Papa, papa, tu es où? Je suis ta fille !» Bordel de merde, c'est pas un problème de maths. T'arriveras pas à une solution. Y'a plus de solution. Y'a plus rien. Je veux pas en parler avec toi. Tu vas faire quoi? Tu vas le chercher où? Qu'est-ce qu'elle nous a dit exactement au sujet de l'autobus? Oublie l'autobus et réponds-moi. Tu vas le trouver où? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté?
raconter. Elle m'a raconté qu'elle venait d'arriver dans une ville. Mais ouais. Un autobus est passé devant elle. Il m'a fait une jeune fille qui s'appelle Yann. Au monde. Des hommes sont arrivés en courant. Ils ont bloqué l'autobus. Deux hommes sont arrivés avec de l'essence et des mitraillettes. Et alors là, après... Je suis à l'aéroport. Je t'appelle pour te dire que je pars vers le pays. Je vais essayer de retrouver ce père. Et si je le retrouve, s'il est encore en vie, je vais lui remettre l'enveloppe. Ce n'est pas pour elle, c'est pour toi, pour moi, pour la suite. Mais pour ça, c'est d'abord elle. C'est maman qu'il faut retrouver, dans sa vie d'avant, dans celle que, toutes ces années, elle nous a cachée. Je vais raccrocher et tomber telle première, tomber loin, très loin de cette géométrie précise qui structurait ma vie. Le gouffre dans lequel je vais tomber, celui dans lequel je glisse déjà, c'est celui de son silence. Simon, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu pleures?
Ils ont été aussi chez Abdelhamas. Chez Madelouad, ils ont fouillé partout, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils ont égorgé sa femme. Sa fille est née. Ils l'ont brûlée vive. Je reviens de chez Halem. Chez lui aussi, ils sont venus. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont pris sa fille et sa femme. Personne ne sait où. Ils sont en train de tuer tous ceux qui donnent de l'argent au journal, Sauda. Tous ceux qui y travaillent. Et ici, tu vois, ils ont tué Khalifari. Je te le dis, Sauda. Notre génération est une génération intéressante. Si tu vois ce que je veux dire. Vu de haut, ça doit être très instructif de nous voir nous débattre pour essayer de dire ce qui est barbare et ce qui ne l'est pas. Intéressante. Ils ont détruit le journal. On en fera un autre. Il s'appelait la lumière de l'aube. On l'appellera le chant du levant. On n'est pas sans ressources. Pour rester lucide, faire comme les anciens, essayer de lire dans le vol des oiseaux les eaux pures du temps, deviner. Deviner quoi? Et qu'elle est morte. Il reste son appareil photo. Des images cassées, une vie détruite. Qu'est-ce que c'est que ce monde où les objets ont plus d'espoir que chacun de nous? Vous êtes Abdesamad Darazia? On m'a dit de venir vous voir parce que vous connaissiez toutes les histoires du village. Les vraies et les fausses, oui. Vous souvenez-vous de Nawal Marwan? Il y a Nawal qui est parti avec Sauda. Mais ça, c'est une légende. Qui est Sauda? Une légende. On l'appelait la fille qui chante. Une voix douce et profonde. Elle chantait toujours à point nommé. Une légende. Et Nawal. Nawal Marwan. Nawal et Sauda. Légende. Que dit la légende? Elle dit qu'une nuit, on a séparé Nawal et Wahab. Qui est Wahab? Une légende. On dit que si on tarde trop, dans les forêts, autour du rocher aux arbres blancs, on entend leur rire. Nawal! Je t'ai apporté un cadeau. Un nez de clown. Le même qu'on a vu lorsque le théâtre ambulant est passé. Tu riais tellement. Tu disais son nez, regarde son nez. Et j'aimais tellement t'entendre rire. Je suis parti jusqu'à leur campement. J'ai failli me faire dévorer par les lions, piétiner par l'éléphant. Il a fallu parlementer avec les tigres. J'ai dévoré 3 serpents. Et je suis rentré dans la tente du clown. Le clown dormait. Le nez était sur sa table. Je l'ai pris et je me suis enfui.
Dans le village, il y a encore la pierre sur laquelle Nawal a gravé le nom de sa grand-mère. Lettre par lettre. Elle avait appris à écrire. Puis elle est partie. Saoda avec elle et la guerre est arrivée. Ce n'est jamais bon signe quand la jeunesse s'enfuit. Kfarayat, ça se trouve où? En enfer. Plus précisément? Au sud. Pas loin d'une abatillée. Suivez la route. Simon, c'est Jeanne. Je t'appelle depuis le village natal de maman. Écoute. Écoute les bruits du village. Nous venons de Nabatiya et allons à Kfarayat. Vous êtes peut-être ces deux femmes que nous cherchons depuis deux jours. Toute notre milice les cherche. Les militaires venus du pays du sud, ceux qui nous aidaient dans la tête des gens. Vous êtes ces deux femmes. D'une écrit. L'autre chante. Tu vois ces chaussures? Nous les avons prises cette nuit au pied des cadavres. Chacun des hommes qui les portait, on l'a tué au corps à corps, les yeux dans les yeux. Ils nous disaient, on est du même pays, du même sang, et on leur fracassait le crâne! Puis, on leur enlevait leurs chaussures. La première fois, ma main tremblait. C'est comme dans tout. La première fois est hésitante. On ne sait pas combien ça peut être fort, un crâne. Alors on ne sait pas combien fort il faut cogner. Le couteau, on ne sait pas où le planter. On ne sait pas. Le plus difficile, ce n'est pas de planter le couteau. C'est de le retirer, parce que tous les muscles se contractent et agrippent le couteau. Les muscles savent que la vie est là, autour du couteau. Alors, on aiguise la lame, et alors il n'y a plus de problème. La lame entre comme elle sort. La première fois, c'est difficile. Après, c'est plus facile. Je vais vous saigner. Et on verra bien si celle qui sait chanter a une belle voix. Et si celle qui sait penser a encore des idées. Nawal, j'ai peur que le soldat ait raison. Tu as entendu ce qu'il a dit? La première fois, c'est dur. Après, c'est plus facile. Tu ne l'as pas tué! Tu nous as gardés en vie! Tout ça, ce sont des mots. Rien que des mots. C'est la cellule la plus célèbre de la prison. C'est
gens viennent en pèlerinage. C'était la cellule de la femme Guichotte. Détenue pendant 5 ans, quand les autres se faisaient torturer, elle chantait. Il s'appelait Saouda, la femme qui chante. On ne connaissait pas son nom. Ils avaient tous un numéro, un matricule. La femme qui chante était le numéro 72. C'est un chiffre célèbre ici. Célèbre. 72, vous dites? Oui, pourquoi? Vous connaissez quelqu'un qui a travaillé ici? Le concierge de l'école. À l'époque, il était gardien. La prison date de quand? 1978. L'année où les grands massacres ont lieu dans le camp de Kafar, Riyad, de Kafar, Samira. C'est pas très loin d'ici. Les militaires sont arrivés. Ils ont fait entrer les miliciens dans le camp. Et les miliciens ont tué tous ceux qu'ils trouvaient. Ils étaient comme des fous. On avait assassiné leur chef. Alors ils n'ont pas rigolé. Une grande plaie au flanc du pays. Il faut rentrer dans les camps. Couteau, grenade, machette, hache, fusil, acide. Leurs mains ne tremblaient pas. Dans le sommeil, ils ont planté leurs armes dans le sommeil. Et ils ont tué le sommeil des enfants, des femmes et des hommes qui dormaient dans la grande nuit du monde. Tu vas faire quoi? Je vais aller dans chaque maison. Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun? Œil pour œil, dent pour dent, il n'arrête pas de le crier. Oui, mais pas comme ça. Pas autrement. Puisque la mort peut être contemplée avec indifférence, alors pas autrement. Alors toi aussi, tu vas aller tuer enfants, femmes, hommes. Ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué mes voisins, tué les amis lointains de mes parents. Alors c'est pareil. Oui, c'est pareil. Tu as raison, Saouda, c'est pareil. Mais réfléchis. À quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit. Réfléchis, Saouda. Tu es la victime et tu vas aller tuer tous ceux qui seront sur ton chemin. Alors tu seras le bourreau et puis après, à ton tour, tu seras la victime. Toi, tu sais chanter, Saouda. Tu sais chanter. Je ne peux pas! Je ne veux pas me consoler, Nawel. Je ne veux pas que tes idées, tes images, ton amitié, tes paroles, toute notre vie côte à côte. Je ne veux pas qu'ils me consolent de ce que j'ai vu et entendu. Ils sont rentrés dans les camps comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres. Et rapidement, on a entendu la fureur des miliciens. Ils ont commencé par jeter les enfants contre le mur. Puis ils ont tué tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Des jeunes filles égorgées. Des garçons brûlés. Tout brûlait autour d'Aoué. Tout brûlait. Tout cramait. Il y avait des vagues de sang qui coulaient des ruelles. Des cris montaient des gorges et s'éteignaient. Et c'était une vie en moins. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. Il les a plaqués contre le mur. J'étais à leurs pieds, cachée dans le caniveau, je voyais le tremblement de leurs jambes. 3 frères. Le milicien a tiré leur mère par les cheveux et l'a plantée devant ses fils. Et il lui a hurlé. Choisis! Choisis lequel tu veux tuer! Choisis ou je les tue tous les 3! Je compte jusqu'à 3! Et à 3 je les tire tous les 3! Choisis! Et elle, incapable de parole, incapable de rien, tournait la tête à droite et à gauche et regardait chacun de ses 3 fils. Je la voyais entre le tremblement de jambes de ses fils, avec son corps trop vieux et ses seins trop lourds pour les avoir portés, ses 3 fils. Et tout son corps hurlait, à quoi bon les avoir portés si c'est pour les voir ensanglantés contre un mur? Et le milicien criait toujours « Choisis! Choisis !» Alors, elle l'a regardé et elle lui a dit comme un dernier espoir « Comment pourrais-tu? Regarde-moi! Je pourrais être ta mère !» Il l'a giflé. N'insulte pas ma mère. Choisis! Alors,
tuer. Il a abattu les deux plus jeunes. Il a laissé l'aîné en vie, tremblant. Il l'a laissé et il est parti. Les deux corps sont tombés. La mère s'est relevée. Et au cœur de la nuit, qui brûlait, qui pleurait de toute sa vapeur, elle s'est mise à dire que c'était elle qui avait tué. Avec son corps trop lourd, elle disait qu'elle était l'assassin de ses enfants. Je comprends, Sarda. Mais pour répondre à ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Écoute-moi. Écoute ce que je te dis. Les souffrances d'une mère comptent moins que la terrible machine qui nous broie. Ta douleur, la mienne, celle de tous ceux qui sont morts cette nuit, n'est plus un scandale, mais une addition. Une addition monstrueuse qu'on ne peut plus calculer. Alors toi, toi Saouda, toi qui récitais l'alphabet avec moi sur le chemin du soleil, toi tu ne peux pas participer à cette addition monstrueuse de la douleur. Tu ne peux pas. Alors on fait quoi? On reste les bras croisés, on attend, on comprend. On comprend quoi? On se dit que tout ça ce sont des histoires entre des imbéciles et que ça ne nous concerne pas, qu'on reste avec nos livres, nos journaux, notre alphabet, nos mots. À quoi ça sert les mots? Dis-moi, si aujourd'hui je ne sais pas ce que je dois faire, on fait quoi, Noël? Je ne veux pas te répondre. Parce qu'on est démunis. Pas de valeur pour le retrouver. Alors ce sont de petites valeurs de fortune. Ce que l'on sait, ce que l'on sent. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je vais te dire, on n'est pas la guerre. Et on est obligé de la faire. On n'aime pas le malheur et on est en plein dedans. Tu vas aller te venger, brûler des maisons, faire ressentir ce que tu ressens pour qu'ils comprennent, pour que ces hommes se transforment. Tu veux les punir pour qu'ils changent. Mais ce jeune imbécile se nourrit de la bêtise et de la douleur qui t'aveugle. Alors on fait rien, c'est ça? Mais tu veux convaincre qui? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes que l'on ne peut plus convaincre? Des hommes que l'on ne peut plus persuader de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu crois? Qui va te dire? Ah, mademoiselle Saouda, votre raisonnement est intéressant. Je cours tout de suite, changer de sang, changer de cœur, changer de monde, de planète, d'univers, et je vais m'excuser sur le champ. Qu'est-ce que tu penses? Qu'en allant faire saigner sa femme et son fils, tu vas lui apprendre quelque chose? Saouda, lorsqu'on a arraché mon fils de mon ventre, puis de mes bras, puis de ma vie, j'ai compris qu'il fallait choisir où je défigure le monde, où je fais tout pour le retrouver. Alors, à quoi crois-tu que je pense lorsque je te raconte? Je pense à sa mort évidente, à ma quête, imbécile, au fait que je resterai à jamais incomplète depuis qu'il est sorti de ma vie, et que jamais je ne le laisse encore là, devant moi. Ne pense pas que la douleur de cette femme, je ne la ressens pas. Elle est en moi comme un poison. Mais j'ai fait une promesse à une vieille femme d'apprendre à lire, à écrire, pour sortir de la haine, sortir de la misère. Et je vais m'y tenir à cette promesse, coûte que coûte. Ne haïr personne, jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait?
dire ce que l'on va faire. Mais tu vas m'écouter jusqu'au bout. Tu vas me promettre tout de suite que tu ne discuteras pas. Promets. Je te promets. Je pense à Chad. C'est le chef de toutes les milices. On ne le trouvera pas. On le trouvera. Je connais la fille qui enseigne à ses enfants. Elle a été mon élève. Je la remplacerai pour une semaine. Et tu feras quoi? La dernière journée, avant de le quitter, je lui tirerai deux balles. Une pour toi, une pour moi. Une pour les réfugiés, l'autre pour les gens de mon pays. Deux balles. Et après, tu vas t'enfuir comment? Je refuse, ce n'est pas à toi de faire ça. Non? À qui alors? À toi peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi on fait tout ça? Pour se venger? Non! Parce qu'on veut encore aimer avec passion. Et dans une situation comme la nôtre, il y en a qui vont mourir et d'autres non. Alors ceux qui ont déjà aimé avec passion doivent mourir avant ceux qui n'ont pas encore aimé. Tu iras te cacher chez Shamsuddin. Shamsuddin est aussi violente que les autres. Tu n'auras pas le choix. Ne me trahis pas, Sandra. Et vis pour moi. Et continue de chanter pour moi. Comment je ferai pour vivre sans toi? Et moi? Moi, comment je ferai pour vivre sans toi? Rappelle-toi le poème appris il y a longtemps. Rappelle-toi les paroles. Récite-le à chaque fois que je te manquerai. Et quand tu auras besoin de courage, tu réciteras l'alphabet. Et moi, quand j'aurai besoin de courage, je chanterai. Je chanterai, Sandra, comme tu m'as appris à le faire. Et ma voix sera ta voix. Ta voix sera ma voix. Comme ça, on restera ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. Atini hurriyeti atlik yedeyya inneni a'taytu mastabqaytu şey'en ahi min qaydika edma mi'asami min qaydika edma mi'asami lima uqqihi وما أبقى علي Je suis concierge d'une école. Oui, mais avant, quand la prison était encore une prison. Vous êtes resté trop longtemps. Cette veste, elle ne vous dit rien, cette veste? Et là, derrière, le numéro 72. La femme qui chante. Non, c'est elle. Non, non, c'est elle. J'ai vu cette femme pendant plus de 10 ans. Elle était toujours dans sa cellule. L'un des rares à avoir vu son visage, c'est moi.
cheveux longs et qui sourit est la femme qui chante? C'est elle. Elle s'appelait Nawal? On ne prononçait pas son nom. C'était la femme qui chante. Le numéro 72. C'est lui le numéro 7. Celle qui a assassiné le chef des milices. Deux balles. Le pays a tremblé. Ils l'ont mis à Kfar Rayat. Tous ses amis ont été attrapés et tués. L'une d'elles s'est rendue jusqu'au café où se tenaient les miliciens et s'est fait exploser. La femme qui chante seule est restée en vie. Abou Tarek s'est occupé d'elle. Les nuits où Abou Tarek la violait, leurs voix se confondaient. C'était courant ici. À force, elle est tombée enceinte. Quoi? Ça aussi, c'était courant. Bien sûr. Elle est tombée enceinte. La nuit où elle a accouché, la prison au complet faisait silence. Elle a accouché seule. Seule, accroupie au fond de sa cellule. On l'entendait hurler. Et ces hurlements étaient comme une malédiction sur nous tous. Moi, j'étais celui qui allait porter les enfants dans la rivière. On était l'hiver. Lorsqu'il n'y a plus rien eu, je suis rentré. Tout était noir. Elle avait mis l'enfant dans un seau. Il l'avait recouvert d'une serviette. J'ai pris le seau, je n'ai pas osé regarder, et je suis sorti. La nuit était belle et froide, profonde, sans lune. Je suis allé jusqu'au fossé, je l'ai laissé là, et je suis reparti. Et j'entendais les cris de l'enfant. Et j'entendais les chants de la femme qui chante. Alors je me suis arrêté et j'ai réfléchi. Et ma conscience était froide et noire comme la nuit. Les voix étaient comme des coulées de neige dans mon âme. Alors, je suis revenu. J'ai pris le seau. J'ai marché, longtemps marché. J'ai croisé un paysan qui rentrait avec son troupeau vers le village du haut, vers Kisserwald. Il m'a vu. Il a vu ma douleur, m'a donné à boire et je lui ai donné le seau. Je lui ai dit, tiens, c'est l'enfant de la femme qui chante. Et je suis reparti. Plus tard, on a su ce que j'avais fait. Alors on m'a pardonné. On m'a laissé tranquille. Aujourd'hui, je suis dans cette école. C'est bien. Oui. C'est très bien. Elle a donc été violée par Abou Tarek. C'est ça? Oui. Elle est tombée enceinte et a eu un enfant en prison. Oui. Vous avez pris l'enfant et pour ne pas le tuer comme tous les autres, vous l'avez donné à un paysan. C'est bien ça? C'est ça, oui. Sa mère se trouve où?
un peu plus à l'ouest, face à la mer, un village tout blanc. Demandez l'homme qui a élevé l'enfant de la femme qui chante, on le reconnaîtra sûrement. Je m'appelle Fahim. J'ai jeté beaucoup d'enfants dans la rivière, mais celui-là je ne l'ai pas jeté. Ses cris m'ont atteint. Si vous trouvez cet enfant, dites-lui mon nom, Fahim. Simon, écoute, je m'en fiche. Je m'en fiche de ton combat de boxe, Simon. Ta gueule! Écoute, elle a été emprisonnée. Elle a été torturée. Elle a été violée. Tu m'entends? Violée. Tu entends ce que je te dis? Et le frère qu'on a, elle l'a eu en prison. Tu entends ce que je te dis? Non. Non, putain. Simon, écoute. Je t'appelle du fin fond du trou du cul du monde, il y a une mer et deux océans entre nous, alors tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Non, tu raccroches pas. Tu vas voir le notaire, tu lui demandes le cahier rouge et tu regardes ce qu'il y a dedans. Et c'est tout. Non, ça m'intéresse pas. Mon combat de boxe, c'est tout. Oui, c'est tout. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je veux pas le savoir. Ça m'intéresse pas de connaître son histoire. Je sais qui je suis aujourd'hui et ça me suffit. Maintenant, c'est toi qui m'écoutes, Jeanne. Tu rentres. Tu rentres. Allô? Allô? Putain, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux te rappeler? Un berger m'a envoyé vers vous. Il m'a dit, monte jusqu'à la Maison Rose. Tu trouveras un vieil homme. C'est Abdel Malak. Mais tu peux l'appeler Malak. Il t'accueillera. Alors je suis venue. Et qui t'a envoyé jusqu'au berger? Le Fahim, le concierge de l'école, à Farayat. Et Fahim? Pourquoi es-tu allé voir Fahim? Parce que la guide de la prison de Farayat m'a indiqué le chemin. Mansou, c'est son nom. Et qui t'a poussé à aller voir Mansou? C'est Abdesamad, un réfugié qui vit dans un village du nord, qui m'a donné le chemin de Farayat. Et Abdesamad, qui t'a poussé à aller le voir? Ce rythme, on arrivera jusqu'au jour de ma naissance. Qui sait? On trouvera l'homme pour une belle histoire d'amour. Tu vois cet arbre-là? C'est un oisetier. Il a été planté le jour de ma naissance. Il a 100 ans. Le temps est une drôle de... Alors? Abdesamad habite le village natal de ma mère. Et comment s'appelle ta mère? Nawal Marwan. Et toi, comment t'appelles-tu? Jeanne Marwan. Alors que me veux-tu? Vers qui, à mon tour, je pourrais te mener? Vers un enfant qu'un jour, Fahim vous a confié de la part de ma mère. Je ne connais pourtant pas ta mère. Vous ne connaissez pas Nawal Marwan? Ce nom ne me dit rien. Et la femme qui chante? Pourquoi me parles-tu de la femme qui chante? La connais-tu? Serait-elle revenue?
femme qui chante est morte. Nawal Marwan est la femme qui chante. Nawal Marwan est son nom. Et c'est ma mère. Jeanne. Non, je m'appelle Jeanne. Jeanne. Le bruit a couru dans tout le pays que tu as été libérée. Que me veux-tu ? Te remettre tes enfants. J'en ai pris soin comme s'ils avaient été mes propres enfants. Alors garde-les. Non. Ils sont à toi. Prends-les. Je ne sais pas ce qu'ils seront pour toi. Le garçon s'appelle Sarwan. Et la fille Jeanne-Anne. Sarwan et Jeanne-Anne. Prends-les avec toi et garde-moi dans ta mémoire. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous. Je m'appelle Jeanne et mon frère Simon. Jeanne-Anne et Simon. Non. Nous sommes nés à l'hôpital. On a notre certificat de naissance. Et nous sommes nés l'été, pas l'hiver. Et l'enfant né à Kfar Hayat est né l'hiver. Faye me l'a dit. Il n'a pas pu jeter le seau dans l'eau profonde puisque la rivière était gelée. Non, Faye ne s'est pas trompé. Il la voyait tous les jours. Il a pris le seau, il a pris l'enfant, et l'enfant était dans le seau. Et il y avait un seul enfant, pas deux. Pas deux! Farim n'a pas bien regardé. Non. Mon père est mort pour le pays. Et ce n'est pas un bourreau. Et il a aimé ma mère. Et ma mère l'a follement aimé. Qu'elle vous racontait. C'est bien, il faut toujours raconter des histoires aux enfants pour les aider à dormir. Écoute, écoute. Paris me tend le seau et repart au cours. Je prends le seau et je soulève le drap qui protégeait l'enfant et là, je vois. Deux bébés, deux rouges de colère, à peine nés, agrippés l'un à l'autre avec toute la ferveur du début de leur existence. Je vous ai pris, et je suis partie, et je vous ai nourri, et nommé Jeanne-Anne et Sarwan. Et voilà, tu me reviens à la mort de ta mère. Et je vois aux larmes qui coulent de tes yeux que je ne me suis pas trompée. Les fruits de la femme qui chante sont nés du viol et de l'horreur. Ils sauront renverser la cadence des cris perdus des enfants jetés dans la rivière. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, ce témoignage, je le ferai les yeux ouverts. Car souvent, on m'a forcé à les tenir fermés. Ce témoignage, je le ferai face à mon bourreau, Abou Tarek. Je prononce votre nom pour la dernière fois de ma vie. Je le prononce pour que vous sachiez que je vous reconnais.
mon visage était ce qui vous occupait le moins. Vous vous souvenez bien plus précisément de ma peau, de mon odeur, jusqu'au plus intime de mon corps qui n'était pour vous qu'un territoire qu'il fallait massacrer peu à peu. Mon nom peut-être ne vous dira rien, car toutes les femmes étaient pour vous des putes. Vous disiez la pute 65, la pute 43. Ce mot vous donnait une allure, une élégance, un savoir-faire, un sérieux, une autorité. Mon nom peut-être ne vous dira rien, mon numéro de pute non plus. Mais une chose que vous n'avez pas oubliée, que vous ne pouvez pas avoir oubliée, une chose encore dans vos oreilles, sera fissurée la digue de votre oubli. La femme qui chante. Vous vous souvenez maintenant? Vous savez les vérités de votre colère sur moi? Que vous m'avez suspendu par les pieds lorsque l'eau mélangeait à l'électricité. Lorsque les clous sous les ongles, lorsque le pistolet chargé à blanc dirigé vers moi. Le coup du pistolet et puis la mort qui participe à la torture. Et votre rime sur mon corps, dans ma bouche, sur mon sexe, et votre sexe dans mon sexe une fois, deux fois, trois fois, et si souvent que le temps s'est fracturé. Mon ventre qui gonfle de vous, votre infect de torture, dans mon ventre. Et vous avez voulu que je reste seule, toute seule pour accoucher. Deux enfants, jumeaux. Vous m'obligez à ne plus aimer les enfants, à me battre, à les élever dans le chagrin et dans le silence. Comment leur parler? Comment leur parler de vous? Leur parler de leur père, qui n'était qu'un fruit vert, qui ne mûrirait jamais? Un mère est la vérité dite. Je vous promets qu'un jour ou l'autre, ils viendront se mettre debout face à vous. Et vous serez seule avec eux, comme j'ai été seule avec eux. Et tout comme moi, vous ne serez plus rien du sentiment de l'existence. Un rocher le ressentirait mieux que vous. Je vous parle d'expérience. Si vous êtes en mesure de reconnaître la vivifiante beauté qui les habite, alors il reste un espoir. Et si vous les contemplez avec indifférence et curiosité, sachant que tous deux sont nés de la torture, alors on pourra annoncer que notre siècle est mort. Nous sommes tous deux, nés de la même terre, de la même langue, de la même histoire. Et chaque terre, chaque langue, chaque histoire est responsable de son peuple. Et chaque peuple est responsable de ses traîtres et de ses héros. Responsable de ses victoires et de ses défaites, de ses victimes et de ses bourreaux. En ce sens, je suis moi responsable de vous. Et vous, responsable de moi. Nous n'aimions ni la guerre ni la violence. Nous avons fait la guerre et avons été violents. À présent, il nous reste notre possible dîner. Nous avons échoué en tout. Nous pouvons peut-être sauver encore cela. La dignité. Vous parlez comme je vous parle. Témoigne d'une promesse faite à une vieille femme qui me fit comprendre l'importance de s'arracher à la misère. Apprends à écrire, à compter,
apprends à penser. Ce témoignage est le fruit de cet effort. Trouver terre sur votre compte me serait me rendre complice d'un crime. Vous allez faire? Je sais pas quoi faire. Un frère? Pourquoi faire? Pour savoir. Je veux pas savoir. Pour Jeanne, alors Jeanne vivra en poche et c'est bon. Je saurais pas le chercher, le trouver. Mais si, vous allez arriver, vous êtes boxeur! Amateur! Je suis boxeur amateur. J'ai jamais gagné un combat professionnel. Vous savez quoi? Je vais vous aider. On ira faire nos passerelles ensemble. Vous ne laisserez pas tomber, moi. Puis, on le retrouvera, mon frère, on le retrouvera. Et peut-être que ça vous aidera à vivre, à combattre, à gagner, à devenir professionnel. C'est dans le cosmos, ces affaires-là. Je crois à ça, moi. Vous avez l'enveloppe destinée au frère? Bien sûr, vous pouvez me faire confiance. Je vous assure que vous pouvez me faire confiance. Vous commencez à percevoir la lumière du tram ou du tunnel. Des gens qui dorment.
to be here at Star TV show. Kirk. Well, thank you to you, Nial. So, Nial, what is your next song? My next song will be a love song. A love song? Yeah, a love song. It is the first song in your career, Nial. Well, you know, I wrote this song when it was war on my country. Yes, one day, our humanity will die. Shooting by a sniper. Yes, I feel a big crash in my heart. I feel my heart collapse. Yes, I cried. And I wrote this song. Well, it will be a pleasure to hear your song, Niab. No problem, Kirk. One, two, one, two, three, four. Quel film
vous sortez. Non mais c'est vrai, c'est bon. Sarwan, allons-y, allons-y voir et puis on trouve peut-être votre frère. Puis, peut-être que votre frère, il est notaire, Carmen. Donc on pourrait parler minute, acte notarié avec lui. Ou bien vendeur de légumes, restaurateur. Prenez Trinh Siêu Phen. Il était général dans l'armée vietnamienne et il a fini vendeur de burgers au boulevard Kiri Lavelle. Ou Huy Ru Châu Phen, qui s'est remarié avec Ral Bouchard. Ça se trouve, votre frère, il s'est remarié avec une riche américaine de San Diego, qu'ils ont eu 8 enfants, puis que vous êtes 8 fois mon oncle. Je veux dire, on sait pas. Fait que, continuons. Madame Chamsedine par-ci, Madame Chamsedine par-là, Madame Chamsedine à gauche, Madame Chamsedine à droite. Vous êtes aussi connu que Caracas dans la pension, mais vous n'êtes pas facile à trouver. Tu es Sarwan ? C'est moi. Quand je suis que le fils de la femme qui chantait dans la région, j'ai compris qu'elle était morte. Je cherche le fils qu'elle avait avant moi. Avant qu'elle ne quitte le pays, je lui avais demandé. Et ton fils ?
connaissiez tout le monde. Lui, je ne le connais pas. Il s'appelait Nihad Armani. Pourquoi me parles-tu de Nihad Armani? Un milicien l'a connu quand il était enfant. Ils sont rentrés dans la milice ensemble. Il m'a dit que vous aviez dû l'enlever. Il m'a dit que vous aviez dû l'enlever. Il m'a dit que vous écorchiez tous les soldats étrangers, les miliciens que vous en attrapaient. T'a-t-il dit que Nihad Armani est le fils de la femme qui chante? Celui qui est né de son histoire avec Wahab, dont jamais personne n'a vu le visage? Non, non, il n'était pas au courant de ça. Il m'a simplement dit qu'il était sûrement passé par chez nous. Comment peux-tu dire alors que Nihad Armani est le fils de la femme qui chante? Si je peux me permettre, Hermine Lebel, l'auteur et exécuteur testamentaire de la femme qui chante. Voilà, madame Chamsedine, pour vous dire comme ça vient, tous les détails concordent. Raconte. Méchant Cossette. On est d'abord passé par le village natal de madame Nawal Marouin. Ça nous a amené jusqu'à Kfaret. De là, on a suivi plusieurs pistes en fonction des dates d'arrivée à l'orphelinat de 5 enfants. Le premier, Tony Moubarak, mais c'est pas lui. Et ses parents sont morts à la fin de la guerre. Personnage pas sympathique, pas avenant partout. Le deuxième, Toufi Karabi, mais c'est pas lui non plus. Il connaît très bon Chichtaou dans le nord, côté des ruines romaines. Mais il a retrouvé ses parents, c'est sa sœur qui l'avait amené à l'orphelinat de Kfaret. On a suivi aussi deux autres fausses pistes avant d'en arriver à une autre plus sérieuse. Cette piste concerne la famille Armani, aujourd'hui décédée. Nous avons parlé à l'épicier, qui nous a dit le nom de leur fils. Alors j'ai appelé un collègue, le notaire Digdan, fort sympathique, qui s'occupait des affaires de la famille Armani. Il avait bien noté que Roger, sous Laila Armani, qui ne pouvait pas concevoir d'enfant, était passé par Farayat pour adopter un fils qu'ils avaient appelé Nihad. L'âge de l'enfant et sa date d'arrivée à l'orphelinat concordaient parfaitement avec ce que nous savions de la famille de Madame Nawal Marouan. En plus de cela, c'était le seul de nos candidats à avoir été amené par la femme qui faisait accoucher les femmes du village natal de Madame Nawal Marouan. Une certaine Elam Abdallah. Après tout ça, Madame Chamsedine, vous comprendrez, on était plutôt pas mal sûr de notre affaire. Toi, si la femme qui chante a choisi de te faire confiance, c'est que tu es noble et digne. Mais sors et laisse-nous seuls. Sarwan, écoute-moi. Écoute-moi bien. Quand Simon est sorti de la tente de Madame Chamsedine, il n'a rien dit. Il est resté à l'hôtel. Il n'a pas dit un mot, ni le lendemain, ni le surlendemain. Il avait le regard de votre mère. Je savais que vous étiez à Kfaret et je voulais pas vous déranger, vous arracher à votre solitude, mais Simon s'est tué aujourd'hui. Et j'ai eu peur. Peut-être qu'on a poussé le bouchon un peu trop loin pour connaître la vérité. Jeanne? Jeanne. Simon. Jeanne, tu m'as toujours dit que 1 plus 1, ça faisait 2. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu m'as pas menti. Mais non. 1 et 1 font 2. 1 et 1, ça peut pas faire 1. Simon, qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que 1 et 1, ça peut faire 1? Simon, c'est pas l'heure de faire des maths. Dis-moi ce que tu as trouvé. Tu m'as toujours dit que j'étais trop con pour comprendre. Alors maintenant, c'est le moment. Explique-moi. D'accord. Il existe une conjecture très étrange en mathématiques. Conjecture qui n'a encore jamais été démontrée.